Bonjour Jean-Michel Briand, vous êtes aujourd'hui proviseur de cette cité scolaire dont vous allez nous donner le nom. Oui, la cité scolaire Bouchevreau. Alors là, tous les Fléchois, ils connaissent la cité scolaire sous le nom de Bouchevreau. En fait, la cité scolaire, c'est deux lycées, hein, le lycée Estournel de Constant, qui est le lycée général et technologique, qui propose des formations seconde, première, terminale traditionnelles, bien sûr, hein, dans toutes les filières générales, littéraires, économiques et sociales, scientifiques, et puis les filières technologiques, sciences et technologies de la gestion et sciences et technologies industrielles. Ça, c'est pour l'antébaccalauréat. Pour ce qui est du post-baccalauréat, là, on a trois BTS encore. À la rentrée prochaine, on n'en aura que deux, puisque le BTS électronique va disparaître au profit du BTS domotique, dont je dirai tout à l'heure sans doute quelques mots. Et puis le BTS management des unités commerciales, qui est la poursuite, la logique qui suit la filière STG, donc tertiaire. Voilà. Oui, c'est un centre de formation. L'unicité scolaire, c'est un centre de formation. Comment vous voyez la formation aujourd'hui ? Ah, la formation aujourd'hui. La formation aujourd'hui, surtout dans une région comme celle de La Flèche éventuellement, c'est avant tout c'est une élévation du niveau de formation. Nos directives européennes et les nouvelles lois, les circulaires de 2005, enfin les lois de 2005, visent que 50% d'une classe d'âge, enfin de jeunes, atteignent un diplôme d'enseignement supérieur. Alors précisément, y a-t-il de nouvelles formations qui s'ouvrent chez vous ? Quels sont les enjeux de ces nouvelles formations aujourd'hui ? Alors, les enjeux de ces nouvelles formations, alors, elles sont, les nouvelles formations, il y a deux domaines. Il y a le domaine, je dirais, culturel, où on vit sur un territoire à développer, je dirais, à monter le niveau des connaissances chez les jeunes, donc à travers une action, je dirais, culturel, développement du cinéma hispanique, etc., développement de la culture sur son territoire. Ça, c'est un élément important. Et donc là, les filières littéraires prennent une place extrêmement importante avec des perspectives d'avenir aujourd'hui sur le marché qu'elles n'avaient pas dans le passé, mais à travers développement des ressources humaines, etc., dans les entreprises. Aujourd'hui, on s'intéresse à des profils qui ne sont pas le profil traditionnel, mais qui sont aussi sur les sciences humaines, etc. L'autre avenir, il est aussi sur la coloration du territoire sur le plan économique, les vrais besoins que nous avons sur ce territoire. Alors, je reviendrai sans doute sur la notion de territoire. Simplement, ce qu'on peut dire, la Flèche, sur le territoire de proximité qu'est la Flèche, c'est plutôt une ville commerçante. Donc on a besoin de former sans doute des commerçants ou des futurs techniciens de tout ce qui va être la promotion et la vente, je dirais, c'est pour un peu caricaturer, mais aussi les services derrière. Je vais vous donner donc un exemple. Nous avons la filière donc avec le BTS Management des unités commerciales. Eh bien, à la rentrée prochaine, nous allons ouvrir aussi le Bac Pro Commerce et un CAP employé de commerce multiservice. Donc on aura une filière qui ira du CAP jusqu'au BTS. Et pour le secteur industriel, on va créer donc ce qui existe déjà. Donc on a le BTS domotique, donc qui est plein d'avenir, puisque le BTS domotique, c'est la maison moderne avec sans doute tous les asservissements, les technologies d'aujourd'hui introduites, les technologies de la communication, mais aussi les technologies liées à l'énergie, aux énergies alternatives. Donc comment mettre en œuvre, comment moins consommer d'énergie, voilà des perspectives qui ouvrent les nouvelles perspectives de demain. Mais sans doute qu'il faudrait l'inscrire dans une réflexion plus importante. Alors je disais les services en complément du commerce. Eh bien, en plus de ce BTS domotique, nous avons un bac pro électronique, pour faire simple, hein, qui s'appelle SEN, système électronique numérique, avec deux options, hein, deux valences derrière. Une qu'on avait déjà, qui est l'électrodomestique, c'est-à-dire la réparation des machines à laver, enfin le gros électroménager. Et on ouvre à la rentrée prochaine l'option audiovisuelle et multimédia. Et on voit bien que là derrière, on va vers des métiers
où on va faire de la maintenance de premier niveau, soit sur de l'informatique, soit sur du matériel audiovisuel, multimédia, etc. Là aussi, on est sur des perspectives d'avenir. Et enfin, il faut que tout le monde puisse être scolarisé, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir une élévation. Tout le monde n'arrivera pas à un diplôme d'enseignement supérieur. Donc, on ouvre aussi un CAP pro-élec, qui veut dire préparation, réalisation d'ouvrages électriques. Voilà donc les filières qui s'ouvrent, qui sont les nouvelles filières. Très bien. Donc on le voit, une place d'importance d'une cité scolaire comme ça dans son territoire. Oui. Alors le territoire, aujourd'hui, c'est un concept un peu qui... si on s'arrête simplement au territoire de proximité, on a ici 1500 élèves, pratiquement 250 personnes qui y travaillent. Pour une petite ville qui a quand même 17 000, 18 000 habitants, ça semble un peu disproportionné. Mais en réalité, cette cité scolaire, elle rayonne sur le plan local. On l'a vu à travers le festival de cinéma, à travers la culture, à travers l'ouverture de son site à des associations qui permettent de lutter contre les fractures numériques, etc. Mais ce qui nous intéresse avant tout maintenant, c'est d'avoir une ambition, un rayonnement beaucoup plus large. Et c'est là que les BTS domotiques ont leur rôle, parce qu'il faut que nos jeunes du territoire ici puissent avoir des perspectives de mobilité, hein, de mobilité et de rayonnement un peu plus loin. Et il faut aussi que nos jeunes du territoire plus large, la région des Pays de la Loire par exemple, hein, une cité scolaire doit avoir vocation à d'être un pôle, à s'inscrire sur un pôle régional. Donc il faut un rayonnement important. Alors on pourra peut-être parler de ce qu'on fait ici maintenant pour pouvoir accueillir des jeunes, parce que s'ils viennent faire leurs études ici, on a aussi l'ambition qu'ils y restent plus tard, qu'ils créent leur propre entreprise, qu'ils développent sur le plan économique, qu'ils n'appauvrissent pas le territoire mais qu'ils l'enrichissent. C'est un peu ce mouvement, c'est notre ambition. Utopique peut-être, mais c'est l'ambition. Alors précisément, il reste avec vous quelques années, ces jeunes, pour se former. Vous êtes très sensible au cadre de vie que vous leur offrez pendant toutes ces années de formation, j'imagine. Alors là, je vois le visiteur qui vient ici, il se rend compte tout de suite qu'il y a un parc de 13 ou 15 hectares, je ne me souviens plus exactement, mais une grande superficie, un espace de sport, un espace dédié à la culture avec une multimédia, et puis aux loisirs, avec une salle, avec une maison des lycéens qui offre vraiment la possibilité d'épanouissement, et puis du logement et de la restauration, une restauration de haute qualité, etc. C'est-à-dire le jeune qui se trouve ici, il se trouve sur un site qui est merveilleux, qui est classé, hein, label comme d'Arrie d'Histoire, Vallée du Loir, et aussi donc un site culturel, mais un site qui est agréable pour y vivre, un site où on a envie de s'inscrire et d'y rester, etc. Ça va dans le sens, et la cité scolaire, c'est ce qu'elle évoque, c'est ce que le visiteur qui vient voir ici, qui viendra peut-être pour les portes ouvertes, verra. Hein, et qu'on essaye de développer. Un point que j'ai oublié tout à l'heure, mais qui me semble important, je suis à côté d'un tour là, c'est qu'aujourd'hui, hein, dans le monde économique qui est en crise, hein, un petit peu ici, le secteur industriel, c'est celui qui a été le plus vite touché à cause de l'automobile. Mais effectivement, on va en ressortir de cela. Et on voit bien tout de suite que les réactions des constructeurs automobiles, par exemple, qui ont fait en proposant des voitures alternatives économiques qui sont moins gourmandes d'énergie, etc., au même titre que la domotique, c'est qu'aujourd'hui, il faut former les jeunes à ces alternatives. Et je veux dire que pour nous, c'est un enjeu fort sur le territoire, alors bien sûr, bien plus large que le territoire local, mais de former ces jeunes, et puis la richesse va se faire en produisant, pas uniquement en vantant. Donc il faut produire, et là je veux dire qu'il faut que les habitants sur le coin s'intéressent à leur industrie. Alors elle n'est pas obligatoirement sur la flèche, mais elle est autour de la flèche, et il faut la faire vivre, c'est la condition absolument de l'économie de demain. Et donc là il faut que nous on arrive à tenir le cap en offrant des formations attrayantes pour les jeunes, avec des perspectives, d'où un partenariat par exemple avec les entreprises aujourd'hui pour les techniciens d'usinage.
et qui permet de parrainer un jeune et le conduire, non seulement après la préparation de son diplôme, mais aussi avoir un CV en poche, voire à une insertion professionnelle. Ben, monsieur le proviseur, vous nous avez parfaitement convaincus. Merci. Merci à vous.